Bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est la rentrée et c'est une nouvelle vidéo. On redémarre la saison avec un épisode de Carrette en alternance. Toutes les deux semaines, vous aurez un épisode de Carrette qui traitera de l'actualité automobile du moment. Voici le premier et la semaine prochaine, on parlera high-tech. Donc en alternance, high-tech, Carrette, high-tech. Carrette. C'est simple comme principe, non ou pas? C'est simple, là, bordel. Ferme-la, c'est simple. Attends, tu veux un coup de boue? Cette semaine, on va s'intéresser aux tout nouveaux Peugeot 3008 et 5008 qui ont été annoncés le 1er septembre par Peugeot. Bon, je suis un peu en retard, ça a été annoncé le 1er septembre, mais on va s'intéresser aux nouvelles versions de ces deux SUV stars de Peugeot. Petit disclaimer, je n'ai aucun partenariat de quelque sorte que ce soit avec Peugeot. Si je vous indique d'aller voir le site de Peugeot, je ne vous le mettrai pas en description, c'est à vous comme des grands d'aller taper Peugeot.fr. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Si vous savez comment orthographier Peugeot, eh ben vous trouverez bien le site sur Google. Ça n'y a pas de souci. Mais encore une fois, je vous le rappelle, pas de partenariat avec Peugeot pour cette vidéo. Stop à la pub cachée, bah. Alors, l'actuel Peugeot 3008 qu'on connaît, et le 5008 aussi, hein, ils sont à peu près pareils, mais là, on s'intéressera au 3008. Mais il ressemble à ça, vous voyez. Donc, avec cette face avant-là. Et le restylage a consisté à faire ceci. Donc, un nouveau bouclier à l'avant, largement redessiné, puisqu'il adopte des nouvelles optiques. La grille d'aération à l'avant a été retravaillée avec des petites ailettes en chrome. Ça, ce sera à voir selon les versions, à mon avis, sur la version de base, ce sera peut-être pas du chromé comme ça, quoique on sait pas. Hein. Et la nouvelle signature lumineuse de Peugeot avec les deux dents de lion qui descendent jusqu'en bas du pare-choc, des dents de lion qui ont déjà été vues sur la 508 et sur la 208. Les nouvelles Peugeot en général. Nouvelle signature lumineuse à l'avant, mais aussi à l'arrière, même si c'est pas du tout flagrant, puisqu'on a toujours le bandeau noir qui traverse de part en part la voiture. C'est simplement les blocs optiques de chaque côté qui ont été légèrement retravaillés, avec déjà l'adoption du full LED pour ces feux. Les griffes rouges, les trois griffes rouges qui sont dans les blocs optiques ont été légèrement retravaillées. Et pourquoi ils sont passés au full LED? Tout simplement pour pouvoir intégrer des clignotants à défilement qui se fait un peu partout hein, aujourd'hui sur les nouvelles voitures. Sur ce Peugeot 3008, on gardera globalement les mêmes jantes que l'actuel Peugeot 3008, sauf qu'on en aura des nouvelles. Elles s'appellent les San Francisco. C'est des jantes 19 pouces et elles seront disponibles uniquement sur la nouvelle finition GT Pack. D'ailleurs, il y a une nouvelle grille de finition calqué sur la Peugeot 308 qui a été adoptée cet été, sur la nouvelle Peugeot 308, on y revient juste après. Au catalogue des couleurs, on aura aussi deux nouvelles peintures, le bleu célèbre et le bleu vertigo. Peugeot va proposer sur ce Peugeot 3008 et le Peugeot 5008 un black pack en option. Ce black pack va avoir effet de faire passer certains éléments de la voiture en noir, style les barres de toit, style les contours de fenêtres, style les logos, style certains éléments de jantes, etc. 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 Des petits détails qui vont passer en noir comme ça, ça s'appelle le Black Pack. Ça va être dispo en option uniquement sur les finitions GT et GT Pack. À l'intérieur, pas beaucoup de changements, si ce n'est l'arrivée d'un nouvel écran tactile central de 10 pouces au lieu du 8 actuellement. Un écran du High Cockpit qui est devant le conducteur qui a été revu et corrigé pour une meilleure visibilité. Donc je vous rappelle, le High Cockpit, c'est le poste de conduite que Peugeot a adopté et a intégré sur toutes ses Peugeot. La 508, la 308 bientôt, le nouveau 3008, le nouveau 5008, toutes les Peugeot ont ce High Cockpit. Donc avec un petit volant qui impose de regarder les compteurs au-dessus du volant et pas en dessous de l'arche qui passe. C'est un peu compliqué pour certaines personnes. Comme on le voit sur cette photo, il y a des sièges et un accoudoir rouge du plus bel effet. Le rouge là, c'est du cuir Nappa, donc ça poutre hein. C'est du cuir Nappa rouge qui sera disponible uniquement sur les finitions GT et GT Pack, c'est-à-dire les finitions qui coûtent cher. On le sait, Peugeot est très technologique. On a pu le voir à la fois sur la nouvelle 508, sur les nouvelles 208. Toutes les nouvelles Peugeot qui sortent actuellement sont très connectées, très technologiques. Sur ce 3008, on a l'arrivée de la vision nocturne, donc ça va pouvoir permettre à certains conducteurs un peu dissipés de détecter des obstacles un peu plus rapidement et avant d'arriver sur l'obstacle en question. Comme ça, si tu as le malheur de croiser une biche ou une poule faisane qui traverse d'un coup la route, tu vas peut-être pouvoir freiner à temps. Parce que si tu le prends en blanc et que tu écrases la poule faisane, tu vas avoir des gouttes de sang, tu vois, sur la peinture blanche. Donc c'est pas terrible hein, du tout. Après, il faut nettoyer et tout. Fait chier, quoi. Au niveau des technologies, on a toujours le freinage d'urgence automatique, le maintien de voie qui ont tous les deux été améliorés. Tous les deux, ça mère, ils ont été améliorés. Sans déconner,
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me mets à prendre des accents, c'est terrible. Donc au niveau du régulateur de vitesse adaptatif, il y a aussi eu une amélioration et l'ajout d'une fonction de redémarrage automatique. Situation type, vous êtes dans un ralentissement, ça avance pas vite devant et d'un seul coup, vous venez à être arrêté. Et bien si cet arrêt dure moins de 3 secondes et que vous redémarrez au bout de 3 secondes ou moins, et bien, la voiture avec son régulateur va être capable de redémarrer toute seule sans que vous n'ayez à agir sur les pédales. De même que pour le maintien de voie, si vous activez tous les systèmes en même temps, bah ça fait que vous avez une voiture qui se conduit pratiquement tout seul. Attention, parce que c'est pas très légal en France de laisser une voiture conduire toute seule. Donc faudra toujours avoir les mains pas très loin du volant pour choper les commandes et les pieds pas très loin des pédales pour aussi choper les commandes. Au niveau des motorisations, le Blue HDI 180 disparaît au profit d'un Anite 5 Blue HDI de 130 chevaux et c'est le seul diesel qui va rester dans cette gamme puisqu'ensuite on a deux blocs essence PureTech, un Anite 2 de 130 et un Anite 6 de 180 chevaux. Et bien sûr, une version hybride du Peugeot 3008 sera disponible. Comme je le disais juste avant, les grilles de finition ont été revues sur le Peugeot 3008 afin d'adopter le même modèle que ce que Peugeot a mis sur la Peugeot 308. C'est une grille de finition qui a été remaniée cet été au niveau de la 308. Et donc, ils vont faire de même sur le Peugeot 3008. Ils vont calquer les finitions en fait, hein, puisque les équipements sont globalement pareils. Là, encore une fois, si vous voulez tout le détail de tout ce que je viens de raconter et si vous voulez voir vraiment à quoi ressemble ce Peugeot 3008 et pourquoi pas demander un essai à Peugeot, ben je vous laisse aller comme des grands sur le site de Peugeot. Je vous le mets pas en description puisque je n'ai pas de partenariat avec eux. Stop à la pub cachée, je n'ai pas de partenariat avec Peugeot. Point final. Donc si vous voulez plus de détails, c'est pas très compliqué. Vous ouvrez un nouvel onglet et puis vous allez voir sur le site de Peugeot. Puis voilà, ça fait très bien l'affaire. C'est sur la page d'accueil en ce moment. Enfin, si tu regardes cette vidéo dans 10 ans, du coup, c'est plus sur la page d'accueil. Ah, c'est compliqué. Ce nouveau modèle, ainsi que le nouveau Peugeot 5008, on espère, devrait sortir d'ici la fin de l'année. On n'a pas encore de tarif annoncé par Peugeot. Ce sera tout pour cette actu automobile de la semaine. N'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste ici. Petite nouveauté cette année, il y a un Twitter. Donc, globalement, c'est pareil que Facebook et Instagram. Mais si ça peut me permettre de choper un nouveau public, Facebook, Instagram et Twitter, @Seremi officiel. Et les liens sont dans la description. Comme d'habitude. Là oui, je mets les liens dans la description parce que c'est mes réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parle high-tech. La semaine prochaine, samedi, 11h, pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.